Bon, on enlève nos téléphones, gang. Yes. On va se mettre sur mode avion. C'est sûr que tu veux te mettre les genoux en avant, toi, ou... Non, mais c'est quoi, toi? Voilà. Et voilà. Alors, se retrouver en band après 12 ans d'absence, c'est un plaisir de jouer avec ce monde-là. C'est comme retrouver un peu ses vieilles pantoufles. Moi, je trouve qu'on joue mieux qu'avant. On joue mieux qu'avant, puis on a fait le saut quand on a fait nos premiers ébats ici là, de musique. T'es branché, puis on a joué, puis on a fait « Eh, OK ». Ça y allait tout seul. Je pense que le timing était bon, puis on était dû probablement pour se retrouver. Et après le prix Polaris là, qu'on a gagné ici au Canada, ça a créé beaucoup de curieux, mettons, à l'étranger. Les promoteurs de spectacles, trouvaient à jouer en Islande, au Danemark. T'es allé un peu partout, là? Saskatoon. Il y a énormément de lieux que j'ai visités lors des tournées qui sont venus me chambouler, qui m'ont inspiré. C'est une place qu'on est allé, qu'on n'est pas allé souvent, mettons, c'est le Liban. Beyrouth, c'était quelque chose. C'est spécial. Non? Musicalement, c'était excessivement diversifié. C'est pas mal le voyage là, qui m'a marqué le plus. J'ai beaucoup aimé l'Islande. J'ai trouvé c'était particulier comme endroit quand même. Là. Tu sais, il n'y a pas d'arbres. Inévitablement, quand on tourne, on rencontre du monde. T'sais. On fait des rencontres avec des artistes locaux, des artistes de là-bas. T'sais, on se déplace, on fait des milliers de kilomètres, puis là, on arrive dans un festival, puis il y a plein de bands qui ont fait des milliers de kilomètres, puis on se connaît pas, puis il y a comme un connivence, un esprit de communauté. En tant que francophone nord-américain, quand on arrive en Europe, on a notre façon de faire. Ici, on a une façon de faire qui nous est propre. J'aime d'où on vient, j'aime l'aspect nordique là, du Québec. Veux pas, sans le vouloir, tu participes à la pérennité de la langue française. Puis ça, moi, ça me rend fier à quelque part. On est vraiment content de faire le grand événement Air Canada cette année au Franco de Montréal, le 20 juin au soir à 21h.